A te che mutua caritate semper viva. Marié par un prêtre réfractaire. Oh, tu vas m'envoyer à la guillotine, hein, petite friponne. Ne dis pas ça. Oh, la révolution, en ce qui me concerne, est terminée. Ma vie est ici, avec toi et mes enfants. Et tu m'en feras d'autres, hein. Je laisse la politique au fou. Ma seule folie, c'est toi. Louise. Je suis Camille Desmoulins, un ami du citoyen Robespierre. Ça va. Merci. Personne n'a été condamné sans motif. Si. Les gens sont en prison parce qu'ils ont dit bonjour une fois à un prêtre réfractaire. Parce qu'ils disent du bien de Mirabeau, parce qu'ils ont de la famille à l'étranger. Parfois tu es naïf comme un enfant, Camille. Dois-je te rappeler que nous sommes toujours en guerre? Justement. Nos armées ont exterminé des milliers de personnes en Vendée, un peuple entier. Des traîtres et des rebelles. Nous sommes en train d'étrangler la liberté dans son berceau, Maxime. Si nous faiblissons maintenant, tout ce que nous avons construit s'effondrera comme un château de cartes. Bah, peut-être nous n'avons rien construit. C'est juste un rêve. Ça fait peur. Je ne peux pas lui parler. Il est isolé de tous, sauf de ses amis du comité. Il voit des ennemis partout. La situation est démente et elle empire. Tout ça va me manquer. Sans arrêt. Place de la Révolution, les gens se sont plaints de l'odeur du sang. On l'a déplacé vers la Bastille, c'était la même plainte. En plus, les gens disent que ça dévalorise leur propriété. On l'a déplacé 4 fois, c'est toujours le même problème. Alors finalement, ils la remettent d'où elle est partie. Général, je veux votre rapport demain matin. Oui, citoyen.
Danton est de retour. Avec Desmoulins. J'ai peine à reconnaître cet endroit. C'est devenu un véritable repère de factions rivales, de mensonges et de démence. À l'extérieur, je vois des églises que l'on profane, des prisons pleines de pauvres diables, dont le seul crime est de ne pas être fanatique. Est-ce là cette république que nous avons décidé de créer ? Je propose, en première urgence, que la Convention mette en place un comité de clémence pour examiner la liste de tous ces suspects qui sont en prison et déterminer s'il y a une quelconque raison de les y maintenir ou non. Au moment où la République combat pour sa survie, que propose le citoyen Danton contre les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur ? Point d'interrogation. Rien de plus qu'un abandon à la corruption. Corruption qui l'a déjà rendu riche. Tu ne vas pas imprimer ça ? Pourquoi pas ? Si Danton croit qu'il peut revenir et recommencer ses combines, il se trompe. Nous l'arrêterons par tous les moyens. Y compris la vérité. Regarde, Ras. Je sais pas. On va le faire galoper. Ah, il a grandi, hein, votre petit Horace. Louise est adorable. Je vous félicite. Je suis heureux, si vous l'aimez. Tu as vu ça? Non. Cette trousseur de nonnes, cette fange, ce chassieux ramassis d'infâmes humeurs organiques, cet excrément, ce tas d'immondices infectes. Seul Hébert pouvait prendre toute une page pour me couvrir de merde. Mais nous lui réservons une réponse. Allez, à l'ouvrage, Camille. Tu ne dois pas le sous-estimer, Georges. Même Robespierre est prudent avec Hébert. Bien sûr. J'arrive, du Cordelier. Je comprends que je dois être ensemble. Je vous tiens au courant. Ni Hébert ni Danton ne s'arrêteront tant que l'un d'entre eux ne sera pas éliminé. Il s'agit de savoir lequel des deux soutenir, toi et moi. J'accuse Danton d'être un voleur. J'accuse Danton d'être un voleur, un profiteur et d'avoir trahi la Révolution. T'as une preuve ? À quoi bon prouver ce que nous savons tous ? Alors, je propose qu'une commission de 12 membres soit désignée pour examiner à fond les accusations portées contre moi. Voilà. On peut faire confiance à un voleur pour se cacher derrière la loi. Traître ! Puis-je avoir la parole, citoyen président ? Citoyen, t'écoute. Une commission pour examiner la carrière et l'intégrité du citoyen Danton. Oui, oui ! C'est une idée intéressante. Une idée à laquelle je suis personnellement favorable.
On a dit que ni l'Angleterre ni l'Autriche ne sont les véritables ennemis de cette République. On a dit que le pire de nos ennemis est Danton. On a dit que le citoyen Danton souhaite uniquement détruire la République et rétablir à sa place une monarchie avec lui-même comme régent. C'est un terrible crime, si cela est vrai. Et Danton en est accusé. Mais si vous accusez Danton, citoyen, Danton qui a servi cette République mieux que quiconque parmi nous, alors je vous dis que vous devez m'accuser moi aussi. Et je vous dis que ces accusations sont aussi fausses et frauduleuses que les menteurs et les hypocrites qui les formulent. Et moi, Robespierre, je les dénonce et je les condamne. Vive Robespierre! Maxime! Bravo, Danton. C'est bon de te revoir, Robespierre. Tu nous as beaucoup manqué. Pas à tout le monde, semble-t-il. Merci pour ce que tu viens de dire. Nous sommes tous menacés par des fous comme Hébert. Mais aussi, n'attendons pas que les fous prennent possession de l'asile. Il faut nous voir. Nous devons parler, toi et moi. J'ai appris que tu t'étais remarié. J'en suis très heureux pour toi. Je vais te la présenter. Je l'espère. Fais mes amitiés à Lucille et au petit Horace. Bien sûr. Merci, Maxime. Et enfin revenu à la raison, Georges. J'ai cru que c'était trop tard, mais si vous pouviez travailler ensemble, tout irait très bien. Robespierre et les amis de Danton ne pourront jamais nous enlever. L'insurrection! Que le tocsin sonne sur tout Paris! Aux armes! Robespierre doit laisser tomber Danton. Non, je n'ai pas d'accord. Mais enfin, pourquoi avez-vous donc pris la défense de Danton au club des Jacobins? Expliquez, pourquoi avez-vous défendu Danton contre Hébert? Ils sont aussi mauvais l'un que l'autre. Couton a raison. Il faut les arrêter tous les deux. Si nous les arrêtons ensemble, nous risquons de les unir. Auquel cas, ce comité perdrait la majorité à la convention. Pour traiter avec Hébert, nous avons besoin de Danton comme allié. Plus tard... Je propose de mettre au voie l'arrestation d'Hébert. Quels sont ceux qui sont pour? Citoyen Hébert ? Oui, quoi ? Vous êtes en état d'arrestation. Sur l'ordre de qui ? Du citoyen Fouquier-Tinville, procureur général. Pour quel motif ? Conspiration pour restaurer la monarchie. La monarchie ? Oh, tu es tout beau, tout frais. On va aller au jardin, tous les deux. Oh oui, au général. Tu
Tu vas te promener? Oui. Quel gros souci? L'arrestation d'Hébert. Hébert représentait une menace. Maxime fait simplement ce que je l'ai supplié de faire depuis des mois. Mais le qualifier de monarchiste? Si la vérité est devenue aussi vide de sens que cela, alors personne n'est à l'abri. Ni toi, ni Georges. Écoute, il faut juger Maxime sur ses actes, pas sur ses paroles. Il a besoin de Georges comme d'un allié, pas comme d'un ennemi. Maintenant, je dois aller travailler. Ne t'inquiète pas. Tout ira très bien, tu verras. Moulin s'égare. Ces appels constants à la clémence ne sont rien de moins qu'une attaque contre le comité lui-même. Nous ne pouvons pas l'admettre. C'est la voix de Danton. Camille est trop facilement influençable. Ceux qui s'opposent à la terreur n'ont pas de désir pour la vertu. Et c'est un crime contre la République. Il faut sauver Camille. Il faut lui faire comprendre qu'il a tort. Bonne nuit, Antoine. Avertissement, citoyen. Si vous n'aviez pas des amis puissants, vous seriez déjà mort. Plus vieil ami. Il a la gentillesse de m'avertir. Je t'ai dit de pas te fier à Maxime. Mais c'est si lâche. Tu as raison, Lucille. Ne prenons pas ce que dit Robespierre pour argent comptant. Il faut que tu sois très prudent, Camille.
vieux cordelier. Achetez le vieux cordelier. Le vieux cordelier. Demandez le vieux cordelier. Un véritable amour de la patrie ne peut pas exister là où il n'y a ni pitié ni amour pour un seul de ses citoyens. Seulement un cœur sec et flétri par un sentiment d'autosatisfaction. Comment quelqu'un que j'ai tellement essayé de protéger peut-il? C'est un défi. Il vous défie. Chacun le sait. Il ne s'agit pas de mon orgueil. Ce n'est pas une attaque contre vous seul, elle est dirigée contre le comité. Contre tout ce pourquoi nous travaillons. Je sais. Je comprends. Ça. C'est le premier. Ah, enfin. Bonsoir, Maxime. C'est au premier. Je sais. Attends. Mes amis, nous avons un invité inattendu. Bonsoir. Robespierre. Un plaisir, comme toujours. Fais-moi l'honneur de profiter de ma voiture, citoyen. Je préfère marcher. Excellente idée. Tu as raison, comme toujours. Camille se remet bien. Je pense que tu seras heureux de la prendre. Il se remet? Oui, de la rossée qu'il a reçue. Une rossée? Oui, un avertissement pour son acharnement à s'opposer à ta politique. M'accusez-vous de vouloir... J'ai bien essayé de le prévenir. En ami, non? Je ne sais rien de tout cela. Pardonne-moi si je me suis trompé. Je crois que nous devrions nous dire bonne nuit. Et qu'est-ce qui s'est passé entre toi et moi? Nous qui avions souhaité les mêmes choses. Nous n'avons jamais souhaité les mêmes choses, vous et moi. Liberté, justice, égalité. Des mots. Vous n'avez jamais compris que si ce n'est la simple vertu du peuple qui seul nous guide... Oh, la vertu du peuple? Bien pas l'abstraction. Vous, bien sûr, pensez que chacun est aussi corrompu que vous-même. À tes yeux, la seule preuve de vertu est une totale obédience à Maximilien Robespierre. Ceci ne rime à rien. Permettez-moi de vous dire bonne nuit. Laisse-moi te dire ce que tu es en train de faire à ce pays, avec ta foutue vertu. Tu lui fais ce que je fais à ma femme le soir. Sauf que elle, elle adore ça. Et elle n'a pas besoin d'être tenue couchée en hurlant sous la menace de la guillotine. Danton, votre réputation d'homme brutal, grossier, vulgaire est bien méritée. Et pas la tienne. Tu n'as pas de couilles, Robespierre. Tu es un eunuque. Hors de mon chemin. Alors, comment ça s'est passé? Il m'est arrivé d'être plus diplomate. Le comité aurait-il peur de cet homme? C'est intolérable! Danton a beaucoup de partisans, voilà la vérité. Et vous le savez, citoyen.
Danton pense qu'il est trop puissant pour être attaqué. Et si nous sommes maladroits, il aura raison. La surprise est notre meilleure, peut-être notre seule arme. Je pense que nous sommes tous d'accord pour que l'arrestation de Danton entraîne celle de Camille Desmoulins. C'est inévitable. Nous sommes d'accord sur ce point. J'accepte la volonté du comité. Enfin, Georges, tu es en train de leur porter ta tête sur un plateau. Tu ne peux pas faire ça. Ma tête est plus fermement fixée à mes épaules que tu ne l'imagines, Legendre. Je sais pas, moi, pour l'amour de ta femme ou... Non, je ne partirai pas. Bon, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que Danton reste en vie. Avec envie de continuer ce combat. Il y a eu bien trop de batailles, déjà, et... des morts inutiles. Je ne veux pas en rajouter. Pas moi. Alors qu'est-ce que tu vas faire? S'il m'arrête, très bien. Il faudra qu'il me juge. Mais si jamais il me juge, je te promets, Legendre, c'est eux qui paieront et tu sais où on les retrouvera. Au banc des accusés. Et après cela, je regagnerai ma chère campagne et j'irai à la pêche. Quand on aime pêcher toute une journée au bord de la rivière, on ne choisit pas de gâcher sa vie en politique. Quel fou j'ai pu être. Deux premiers rangs avec moi, les autres en position devant la maison. Attendez dehors. Je reviendrai vite. Je suis l'homme le plus heureux de France. Qu'est-ce que vous attendez ? Allons-y. Écartez-vous. Écartez-vous. Maxime, je vous en prie, écoutez-moi. Comment pouvez-vous faire ça à Camille, votre plus vieille amie? Comment vous pouvez oublier ce que vous avez été l'un pour l'autre? Maxime, je vous en prie. Maxime, je vous en prie. Le respect qu'ils doivent à cette cour. Et moi, je rappelle aux citoyens présidents
tout le respect qu'il doit à la justice. Ouais. Aucun accusé n'a été informé en bonne et due forme du délit dont il est accusé. Ouais. Silence. Je veux affronter et confondre mes accusateurs devant le peuple. Et quand j'aurai fait cela, alors je me ferai une joie de plaider la clémence pour ces hommes avant votre châtiment. Mais pour l'instant, j'exige que l'on m'écoute. Vous êtes accusé, Danton, d'avoir été payé par les conspirateurs les plus fanatiques contre la liberté. Je n'ai jamais été acheté. Je n'ai pas de prix. Personne ne peut se payer, Danton. Et je défie mes accusateurs d'apporter la preuve que l'on ne m'est jamais payé. Ils se casseront les dents. Alors ? Ouais. Le jury a été trié sur le volet. Oui, mais s'ils ont peur d'être mis en pièces par la foule, ils vont certainement les acquitter. Longues années de conspiration secrète avec Mirabeau. Ligué avec Mirabeau. Et bien sûr que j'étais ligué avec Mirabeau. Pardi, pour l'empêcher de faire des bêtises. Croyez-moi, citoyen juré, je savais ce que je faisais. Je n'ai jamais laissé l'avidité ou l'ambition me dominer. Oh, certes, j'ai connu l'une comme l'autre. Nous avons été intimes. Et même j'en ai, à l'occasion, fait mes maîtresses. Mais jamais mon maître. Passez par derrière. Arrangez-vous pour que cela parvienne à Herman, mais soyez discret. De lancer ces attaques et ces calomnies. Accusé de se limiter à sa propre défense. Vous êtes accusé, Danton, d'avoir secrètement et en tout temps favorisé et protégé la monarchie. C'est faux! La monarchie? Redites-moi ça! Redites-le-moi en face! Je vous mets au défi! Danton, un monarchiste? Suspendu. Quoi ? La cour a besoin d'un certain délai pour examiner les preuves présentées. Quelles preuves ? Il n'y a pas de preuves ! C'est ce dont je me plains ! Les prisonniers vont retourner dans leurs cellules. Rien ne nous fera taire ! Je compte sur vous tous demain ! La République et nos vies sont entre vos mains ! Allez, sortez ! Sortez ! Allez, avancez ! Allez ! Bon vivant ! Bon tirant !
Nous n'aurions jamais dû risquer un procès public. Nous n'avions pas le choix. Il ne doit pas gagner. Il ne faut pas. À n'importe quel prix. Il ne gagnera pas. J'ai ici une déclaration d'un prisonnier du Luxembourg faisant part d'une conspiration entre la femme des moulins et certains aristocrates pour libérer son mari et Danton. C'est tout ce qu'il nous faut, citoyens, pour agir. Quelqu'un a-t-il un commentaire à faire ? Très bref. Il s'agit d'un faux si grossier que personne ne peut s'y laisser prendre. Je dois vous rappeler, citoyens, que si Danton est acquitté, il donnera un grand coup de balai dans ce comité et le remplacera par un autre, à sa dévotion. S'il se conforme à la loi, notre devoir est de suivre la loi et d'accepter. Citoyen Robespierre, tu as toujours été, de nous tous, le plus déterminé à respecter la Constitution. Quel est ton avis ? Si Danton gagne, cette république qui a survécu à toutes les attaques de toutes les monarchies d'Europe sera détruite de l'intérieur par la corruption. Nous n'avons pas d'autre choix, citoyens. Acceptons le témoignage que Saint-Just nous apporte. Le témoignage. Je propose que le comité annonce à la convention l'existence d'une conspiration pour libérer Danton et ses complices. Et je propose que ce témoignage, étant retenu comme preuve de culpabilité, il soit désormais interdit aux prisonniers de plaider leur innocence en séance publique. Je mets aux voix la proposition de Saint-Just. La proposition est acceptée. Adieu, mon amour. T'es sage, hein? Prends soin d'Horace, maman. Allez. Où en êtes-vous? Pourquoi? Tu n'as rien fait de mal. Ils vont assassiner ma femme! Elle est innocente, mais ils vont l'assassiner! C'est une parodie de justice. Messieurs, quand un gouvernement tombe à ce niveau, il montre sa banqueroute morale au monde entier! Il a raison! Je demande aux jurés s'ils ont entendu suffisamment de témoignages. Oui, citoyen président. C'est un mensonge. Vous n'avez rien entendu. C'est la façon de faire de Robespierre, souvenez-vous. Un échafaud est prêt pour Robespierre. Emmenez-les. La loi stipule que le jury prononce son verdict en présence des accusés. En raison du comportement intolérable des accusés, je propose que l'affaire soit débattue en leur absence. La requête du citoyen procureur de la République est acceptée. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Il n'y aurait pas eu de révolution sans moi. Il n'y aurait pas eu de république sans moi. Non, vous ne me traînerez pas vers la mort. Je suis vivant, à jamais. Le monde nous regardera et se demandera quel genre d'homme nous étions. Ne laissons pas dire que nous n'étions pas meilleurs que ceux que nous avons chassés. Nous sommes tous condamnés à mourir.
Je connais cette cour. C'est moi qui l'ai créée. Et j'en demande pardon à Dieu et aux hommes. À l'origine, elle devait être, non pas le fléau de l'humanité, mais un rempart. Une dernière instance contre le déchaînement des fureurs, de la brutalité, de la peur. Au lieu de cela, c'est devenu l'assassinat des consciences. Et ceux qui plus tard nous jugeront verront bien que moi, Danton, je n'ai pas voulu cela. Si je parle aujourd'hui, c'est pour défendre ce que nous avons réalisé. C'est pour tout ce que nous avons atteint. Et non pour sauver ma vie. Nous avons brisé la tyrannie des privilèges. Nous avons tué le ver dans le fruit, en abolissant ces pouvoirs auxquels n'avait droit aucun homme. Nous avons mis fin au monopole de la naissance et de la fortune, et cela dans tous les grands offices de l'État. Dans nos églises, dans nos armées, dans ce vaste complexe d'artères et de veines qui fait vivre ce corps magnifique de la France. Nous avons déclaré que l'homme le plus humble de ce pays est désormais l'égal des plus grands. Et cette liberté acquise pour nous-mêmes, nous l'avons offerte aux esclaves. Et nous confions au monde la mission de bâtir l'avenir sur l'espoir que nous avons fait naître. Ceci, c'est plus qu'une victoire dans une bataille. Plus que les épées, les canons et tous les escadrons de cavalerie de l'Europe. Et cette inspiration, ce souffle pour tous les hommes, partout, en tout lieu, cet appétit, cette soif, jamais on ne pourra l'étouffer. Nos vies n'auront pas été vécues en vain. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Sanson, prends cette mèche de cheveux. C'est les cheveux de ma femme.
au revoir à sa mère. Tu montreras ma tête au peuple. Elle en vaut la peine. Maintenant. Bien sûr, je n'étais qu'un petit garçon lorsque j'ai rencontré Jean-Jacques Rousseau. Et pourtant, nous avons parlé de Dieu, du destin, du besoin de l'homme d'atteindre quelque chose de plus élevé que lui-même. Dieu sait que j'étais un mauvais catholique. Mais je n'ai jamais failli à ma conviction qu'il existe quelque grande puissance veillant sur nous, protégeant l'innocence, bénissant les vertueux, condamnant les malfaisants. Les hommes ne peuvent pas vivre sans une telle croyance et ne doivent même pas. Essayez. Que jamais le monde n'a offert à son créateur un spectacle plus digne de lui que celui de Paris aujourd'hui, en ce jour d'hommage à sa grandeur. Ici, devant son regard, je dénonce tous ceux qui voudraient... Qu'est-ce qui se passe? Oh, il parle encore. Que vos destinées réveille-moi quand il aura fini. Sont dirigées par une force aveugle et que vos âmes ne sont qu'un souffle de vent qui passe dans le néant après la mort. Il se prend pour le pape. Je ne parle pas d'un Dieu que les prêtres défigurent. Le vrai prêtre de l'être suprême est la nature.
son temple. Elle, l'univers. Son culte. Et la vertu. Et le sien, celui des meurtriers. La révolution n'a été qu'une transition. La révolution n'a été qu'une transition. La révolution a été une transition entre un règne de crime et un règne de justice. Rassemblés pour exprimer la dévotion du peuple français à l'être suprême. Nous refusons le faux dieu de l'athéisme et voici que naît la sublime déesse de la raison. Embrasse-la pour moi! Les sources de cérémonie nous rappelaient que c'est l'être suprême et lui seul qui a le pouvoir de faire naître la peur et le remords dans le cœur de l'oppresseur et du tyran. Et vous ne comprenez rien. La loi de Prairial a été introduite uniquement pour punir une demi-douzaine de traîtres à la Convention. Vous avez exécuté plus de personnes pendant ces deux derniers mois que pendant ces deux dernières années. Moi, j'ai exécuté. Oui, vous. Votre justice. Votre loi. Ou votre absence de justice. Alors, souhaitez-vous voir encore d'autres procès comme celui de Danton? Il n'y a plus de procès. Il n'y a que des exécutions. C'est un mensonge. Vous avez placé vos propres hommes triés sur le volet à tous les postes clés. C'est encore un mensonge. Nous avons gagné, Maximilien. Une grande victoire. À Fleurus. Mes ennemis s'en serviront, sans aucun doute, contre moi. Comme de n'importe quoi. Allez, Maximilien, allez. Tout va bien, tout va bien. En qui puis-je avoir confiance? En qui? Sauf vous. Mes amis, mes chers amis, vous seuls, vous êtes ma vraie famille. Mais il est temps de prendre nos responsabilités. Il n'y a plus d'excuses pour les misérables tribunaux de Robespierre ou pour ses attitudes dictatoriales. Puis-je suggérer que nous attendions que le citoyen Robespierre soit de retour parmi nous avant de le critiquer? Ce comité a depuis trop longtemps exécuté ce que le citoyen Robespierre lui commandait. Robespierre est un membre de ce comité, rien d'autre. Comme vous. Et vous. Robespierre n'est pas la République. Vous ne tourneriez pas par hasard à la modération, l'un des. Et comparé à vous, citoyen, même un chien enragé aurait l'air d'un modéré. Comparé à vous et à votre maître Robespierre, le bourreau lui-même est un ange de tendresse. Vous regretterez ces paroles, citoyen. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir dit plus tôt. Tes remarques sont une insulte. Le citoyen Robespierre est le meilleur parmi nous. Sauf qu'il n'est plus jamais parmi nous. Allez. Allez le voir. Et dites au dictateur que ce comité n'est plus désormais son chien docile. Bravo, bravo, bravo.
faire ici? Faut tout de suite prévenir le comité. Pardon. Citoyen président, je demande la parole. Robespierre vient d'arriver. Moi, qui suis né esclave de la liberté, on m'appelle un tyran. Moi qui ai vécu le martyr pour la République, on m'appelle un dictateur. Pourquoi? Qui répand ces mensonges? Qui les avance si délibérément pour vous tromper? On nous dit que la guerre est gagnée et que tout va bien. C'est un mensonge. Vous n'avez rien perdu, il vient juste de commencer. On nous dit que la loi de Prévial et le tribunal révolutionnaire sont des instruments de la tyrannie, alors qu'ils sont tout ce qui sépare la vertu de ces meurtriers. Citoyens, je suis né pour combattre le crime et non pour le gouverner. Allez, allez. Je ne connais que deux parties. Celle des citoyens où brûle dans les cœurs la flamme sacrée de la justice, de la liberté et de la paix. Sans laquelle la révolution n'est rien de plus que la destruction d'un moindre crime par un plus grand. Et celle dont les cœurs sont vides, gouvernés par des forces bestiales de cupidité et de peur, d'ambition et de corruption. Il y a ceux dans les comités qui conseillent le désespoir. Et je vous le dis, citoyens, ouvertement, il y a ceux ici même à la Convention qui les soutiennent. Je suis venu ici révéler une vaste conspiration. Un moment, citoyens! Il faut épurer les comités et rendre toute son autorité à la Convention nationale. Citoyens! Je dois te demander de nommer ceux à qui tu fais allusion. Ce n'est pas le moment. Ce discours incrimine nos deux comités et des membres de cette convention. Robespierre doit nommer ceux qui l'accusent. Des noms. Oui, des noms. Des noms. Des noms. Des noms. Des noms. On veut des noms. Donnez des noms. 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 Des Le mensonge reste indivisible. Il n'y a pas un homme parmi nous qui ne préférerait mourir plutôt que de continuer à vivre sous la coupe d'un tyran. Mort au tyran! Mort au tyran! Vous avez assassiné! Allez, on passe le décret aux voix.
Que tous ceux qui sont pour lèvent la main. Attendez ! Défendre l'hôtel de ville à tout prix. Ce doit être une forteresse. Et surtout, il faut faire appel à l'armée. L'armée. Installez la barricade. Par ici, soldats. Vive la mer. Se sont réfugiés à l'hôtel de ville. La commune de Paris se déclare en révolte contre nous. Il faut les exécuter sans procès. Oui, oui, oui. Un peu de courage, quoi. Et à votre santé, bâtard. Alliez-vous à la barricade. Et vive la République. Parras va conduire nos troupes et prendre le commandement de l'hôtel de ville par la force si nécessaire. Bonne chance, commandant Parras. Merci. Les soldats doivent se battre contre les hommes qui portent le même uniforme. Allez-y. Notez. Nous devons fermer les portes de la ville, interdire tous les journaux, arrêter tous les journalistes et lancer des mandats d'arrêt contre les meneurs de la convention. Tout ce que vous trouvez! Il faut barricader la porte! Un appel direct à l'armée. C'est notre seule chance. Yeah!
arrivent! Ils arrivent! Au moins, nous avons accompli quelque chose. Nous avons brisé la tyrannie des privilèges en abolissant ces pouvoirs auxquels n'avait droit aucun homme. Nous avons mis fin au monopole de la naissance et de la fortune dans tous les grands offices de l'État, dans nos églises, dans nos armées, dans toutes les parties de ce grand corps magnifique de la France. Nous avons déclaré que l'homme le plus humble de ce pays est l'égal des plus grands. Cette liberté que nous avons acquise pour nous-mêmes, nous l'avons offerte aux esclaves. Et nous confions au monde la mission de bâtir l'avenir sur l'espoir que nous avons fait naître. C'est plus qu'une victoire dans une bataille, plus que les épées, les canons et toutes les cavaleries de l'Europe.
Et cette inspiration, ce souffle pour tous les hommes, partout, en tout lieu, cet appétit, cette soif de liberté, jamais rien ni personne ne pourra l'étouffer. Nos vies n'auront pas été inutiles. Nos vies n'auront pas été vécues en vain. Joie.